Salut tout le monde, c'est Bernard48 et bienvenue pour ce tout nouveau Let's Play. Voilà, je m'embrouille déjà sur ce tout l'épisode de Let's Play Soma. Et j'espère que cette fois ça ne va pas cracher parce que j'ai réinstallé le jeu. Hein. J'ai pas vidé le cache ou vérifié le cache du jeu parce que j'ai lu que ça servait à rien dans la plupart des cas. Ah vraiment? Je veux dire, c'est des rochers, ça pèse lourd. Ok, il est dans l'eau, mais. Quand même, faut pas déconner quoi. C'est censé peser lourd. Ok, donc j'ai oublié. Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Oh putain. Bon, je crois que ce truc, j'ai une possible théorie que ce soit moi. Les poissons rentrent dans les navires. Enfin, dans ça, je sais pas ce que c'est. On dirait un bus, comme je l'ai dit la dernière fois. Je pense que c'est moi ce truc parce qu'il a une grosse truc tumeur bizarroïde sur la tête. Donc je pense que c'est moi, une vision de moi-même. Bon, j'aimerais de préférence que ça ne crache pas. Et je crois que ça c'est les restes d'un avion qui a explosé et qui a atterri dans la mer à cause de la... Oh. Oh vraiment. Quoi? Parce que c'est très beau ça. Waouh. Je pense que c'est un avion qui s'est fait exploser à cause de la comète. Dont j'oublie le nom parce que bah c'était trop compliqué pour s'en souvenir. Comment on rentre? Ok, on va dire qu'on rentre par là. Vas-y Simon. Comment t'es gel? C'est bien Simon. Alors tes bras, oui, ils sont tout cancérogénisés. Cancérogénisé. Je peux ouvrir ça? Non, je ne peux pas. Ok, pas de problème. Pas de problème, Thierry. Je peux ouvrir cette porte par contre. Exactement, il n'y a rien. Comme c'était. Normal, enfin. Ça s'est écroulé de partout. C'est encore heureux qu'il y ait des trucs qui fonctionnent sur cette station. Il y a un truc qui est par là, je le passe. Ah, ok, en fait j'ai pas le choix. J'aime bien le jeu quand tu me donnes des choix. C'est pas souvent, mais tu m'en donnes. Il est parti, parce que je glitche plus là. Bon, ça a l'air d'être plutôt fluide. Donc ça va. Pas de problème. Mais attends, je veux quand même voir ce qu'il y a là-dedans. On peut pas voir là, genre petit jumpscare caché. Pas de problème, on va éviter. On va éviter. Je veux pas tout casser, s'il vous plaît. Parce que ça m'a l'air super fragile, toutes ces conneries. Putain, si ça, c'est l'état de mon esprit d'un niveau psychique, c'est pas cool, hein. Oh putain, ça commence déjà à cracher là. Putain. Ah non, ça se gardait en fait. Ah, salut. Ça va bien? Oh, Deli. Mais je suis dans les dortoirs. Est-ce qu'il y a des trucs par là? Pourquoi ça flotte pas? Pourquoi il n'y a pas de la physique? Physique. Pas génial la physique, hein. Pas génial du tout. Putain, et le chargement du jeu est super long. Putain, j'ai dû attendre une demi-heure là. Bon, j'exagère, mais... Tu viens de sauvegarder, pourquoi tu re-sauvegardes? Madame Curie. Enfin, MC Curie. Ah, je devais aller à Curie, c'est vrai. Putain, on voit rien. Vas-y, sans la... Oh putain, sans l'entendre, je crois encore en moins. C'est impressionnant. Non! Ah, c'est génial, et les articulations et tout. C'est génial, le corps humain. Ça s'appelle... C'est lourd, si lourd que ça, un squelette? Qu'est-ce que c'était? J'ai pas le temps de voir. Qu'est-ce que c'est? Ne regarde pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait trop peur!
J'ai rien fait. Ne pas le regarder. Ah, c'est horrible. C'est pire que d'Amnesia. Dans Amnesia, tu pouvais le rire. Tu pouvais le regarder ne serait-ce qu'une seconde ou deux. Ça affectait juste sa santé mentale. Mais là, c'est pire. Tu dois pas le regarder. J'ai pas eu le temps de voir le texte qui était écrit là, ce qu'il disait. J'ai pas eu le temps de lire. Je verrai au montage. Il est où? Non. J'ai besoin de passer. En toute honnêteté, je dois passer. En toute honnêteté, je dois passer. Donc voilà, j'ai fait le compte en te regardant, mais s'il te plaît, laisse-moi passer. J'écoute parce que j'entends des bruits de pas en fait. Je crois que c'est bon. Sans regarder. Non, ne regarde pas. C'est bien mon chouchou. Alors il y a un truc qui est cassé. Est-ce que je peux voir quelque chose? Ok, pas de problème. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à voir, mais ça doit avoir une signification. C'est quoi? C'est un film? C'est marrant. Lol. Oh putain, il a tout bouffé. Ne te retourne pas. Oh le connard, il est juste là. Il va me violer. Ferme les yeux et pense à autre chose, Slime. Il est juste derrière moi, je l'entends. J'ai vu qu'il y avait un mode d'ailleurs sur un site. J'ai vu qu'il y avait un mode pour rendre les créatures du jeu inoffensives. À quoi ça sert ce genre de mode? Pas cette espèce de salaud. J'ai vu des mots sur mon truc. Alors c'est juste... En tout cas, c'est génial parce qu'on apprend que tout est mort. Ça va. Putain, la comète, quoi. C'est grave. C'est trop grave. Je voudrais avancer, en fait. Allez, 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 allez. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Non, 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 non. Oh putain, j'ai trop envie de le regarder pour voir quoi il ressemble. Mais je peux pas. Je comprends pas bien comment il fonctionne. Je vais me risquer à boire de l'eau. Voilà. Je crois qu'il est juste derrière moi là.
Bouge-toi les fesses, Simon. Non. Non. Oh, les fils de pute. Il est là. Il va me tuer, je suis à la lumière. Est-ce qu'il se TP? Ça veut dire quoi quand ça fait chpouf? Ça veut dire qu'il se TP, n'est-ce pas? Il est juste derrière moi, là, je le sens. Je sens son souffle derrière moi. Je sens son souffle sur ma nuque. Oh putain. Mais j'ai pas envie de me risquer à trop de... Putain, il est dans le couloir. Oh, le fils de pute. Il est dans le couloir, ok. Il y en a qu'un. Ok, il se TP. Quand ça fait ça, c'est-à-dire qu'il se TP. Je l'ai vu. Il est juste à la fenêtre. Ok, donc je crois qu'il faut passer par là. Chut, tais-toi. C'est des sales images. Je sais pas quelle est ma limite. Ok, donc ça veut pas dire qu'il se téléporte, ça, si? Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Il est juste là. Mais je veux passer par la fenêtre. Putain, fils de pute. Ok, faut que je passe par là, ok. J'ai la map dans ma tête, il faut que je passe par là, ça c'est sûr. Tout doucement. Il est juste derrière moi là. Mais casse-toi! Casse-toi, par pitié. Oh putain, j'ai réussi. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à déterminer ce que c'est.
Oh putain. Oh putain, j'ai réussi à passer. Ok. Oh, c'était chaud. Je comprends pas bien comment il fonctionne, mais en tout cas je sais qu'il faut pas le regarder, ça c'est sûr. Mais après je sais pas s'il y a une limite, genre on peut regarder un tout petit peu pour voir où il est. Genre 5 secondes, après il faut vite détourner le regard. Ou alors si on le regarde trop longtemps, est-ce qu'il se TP directement sur notre gueule. Ok, il me voit pas. Là, il est juste derrière. Aïe, 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 aïe. Oh putain. Non, arrête. Oh le fils de pute. Dégage le bol. Dégage. Ferme-toi. Merci, t'es très gentil. Adorable. En fait j'ai pas envie de marcher à reculons parce que j'ai peur de me le prendre à pleine gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ah. Bizarre. T'es pas sérieux? J'ai pas... T'as pas eu peur? J'ai pas eu peur. C'est toi qui m'avais peur sans faisant... Ah, que j'ai eu peur. Pas sérieux, connard. Sérieusement. Donc là, c'est quoi? Casse-toi, par pitié. Casse-toi. J'ai pas que ça à faire. Oui, t'es pas chier. Fais pas chier. Casse-toi et fais pas chier. Fais pas chier, casse-toi. Fais pas de bruit, ne le regarde pas, elle a dit. Est-ce que je peux l'y passer à côté sans le regarder? Est-ce que je peux le toucher? Est-ce que si je le touche, je lui rentre dedans sans faire exprès? Ça va aller, non? Enfin, voilà quoi. Tu fais chier là. Où est l'échelle? Oh putain, oui. Y a pas un rocher que je puisse lancer? Casse-toi, par pitié, casse-toi. Y a pas un rocher que je peux lui lancer pour lui attirer? Oh putain. Il est parti. Oh, ce connard est parti. Oh là, je dis oui putain. Oui. Oui. En fait, fallait juste attendre qu'il se casse. J'ai des glitchs là. Pourquoi j'ai des glitchs? Putain, j'ai eu peur. Je croyais que c'était quelqu'un, ça. Dégage. Oh, t'es pas serré. Vas-y, monte dessus, wesh. Mais wesh, putain. Oui. Mais ce mec est con, quoi. C'est bon, tu montes sur les trucs. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il est con, ce mec. Dégage.
Les contrôles avec la souris sont très bizarres. C'est-à-dire, des fois, je dois aller sur la gauche avec ma souris pour ouvrir un truc vers la droite. C'est le même bug que dans Amnesia. Bon, j'aurais espéré qu'ils auraient. Qu'ils les auraient résous depuis. Hein, parce que ça fait un peu longtemps qu'ils ont fait Amnesia. Attendez quoi? Attendez. 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 Attendez, ça n'a pas de sens. Attendez, c'est normal ça? Genre, ça aurait été normal dans l'espace au cas où si le vaisseau il tourne, donc t'as besoin d'aller au même pas, je sais même pas comment ça se passe dans l'espace. Mais enfin, je sais pas, c'est normal ça? Enfin, dans les navires, dans l'eau, c'est normal? Dans le futur, je sais pas. À quoi sert ce petit. Ah, d'accord, je. Là, il y a des jolies loupiottes. Et on va pas y aller tout de suite. Oh. Oh. Putain, j'entends le fils de PU. Ah, en fait, c'est normal, il y a des. Il y a des portes au plafond. Je devrais éviter trop de boire parce qu'après là, après la jambe glissée. Coucou. Oh, la lingerie. Physics. Oh là là, la belle physics. Tu viens pas là, par là, je te tue. Je te jure, je te défonce. Cette salle est juste là pour montrer la physique du. Ok, non, il y a un problème là. C'est pas normal, c'est mon esprit. Ça, c'est juste mon esprit qui pète un câble. Par pitié, ne viens pas là. On va aller par là, ça a l'air marrant. Oui mais non. Capture d'écran. Voilà. Au cas où on sait jamais. Pas de problème, Thierry. Donc ils ont essayé bien, ils ont bien essayé d'arrêter la comète, mais ils ont échoué. Est-ce que c'est par rapport à moi qui essaie d'arrêter mon cancer ou je ne sais quoi, mon caillot cérébral ou je ne sais quoi, et qui a échoué? Je vais regarder comme ça, parce qu'en dessous. Est-ce que la comète c'est ma maladie? Genre elle est inévitable et tout. Et genre il y a des opérations qui sont faites pour la soigner. Ma question c'est, est-ce qu'il me détecte quand je le regarde? Ou alors ça me fait juste cracher mon cerveau? Je veux passer en dessous s'il te plaît. Je vais avancer parce que sinon dommage j'y suis encore. Oh! C'est ce truc de la comète. Capture d'écran, on sait jamais. Impact.
Laisse-moi passer, wesh. Je sais pas où je vais, mais je sais pas si c'est bien. Est-ce que c'est une route secondaire pour avoir plus d'infos? Parce que tout à l'heure, ça semblait être une navette. Oh, le petit chien. C'est la Terre, ça? C'est la Terre ou c'est mon cerveau? Moi, j'essaie de prendre un point de vue plutôt symbolique, tout ça, parce que ça semble un peu improbable qu'à travers une machine pour scanner mon cerveau, j'ai été envoyé dans le temps. Peut-être, je sais pas. Après, j'ai vu des let's play, il y a des gens qui théorisent disant que, en fait, j'ai été téléchargé dans l'ordinateur, mon cerveau a été scanné puis téléchargé dans l'ordinateur. Et puis après, il y a quelqu'un qui est allé dans le siège dans lequel on s'est réveillé au début du jeu, dans ce monde-là. Et en fait, le mec qui s'était assis, en fait, il a transféré mon cerveau qui était sauvegardé depuis longtemps dans le cerveau du mec. Mais ça semble aussi improbable parce que bah, pourquoi ça aurait sauvegardé et pourquoi ça m'aurait chargé, on va dire ça comme ça, que maintenant. C'est bizarre. Ou alors je teste un nouveau casque de réalité virtuelle super réaliste. Au choix. Qui c'est qui parle? La destruction est totale. C'est pas cool tout ça. Bon, ça me semble vraiment grand pour une zone secondaire. J'ai entendu un bruit bizarre, je crois que c'était un cri de femme, mais c'est probablement mon imagination qui me joue des tours. À quoi sert ce couloir? S'il vous plaît, expliquez. Expliquez, à quoi sert ce couloir? À part vous mettre des chiottes, je sais pas, au bout. Où ils ont oublié de mettre une porte. Ouais, j'ai bien envie d'aller dans la navette maintenant. Parce qu'en fait, j'aurais dû mettre Catherine dans la navette. Elle aurait dit, ouais, c'est cassé, trouve-en une autre, wesh. Bon, je vais quand même descendre. Je pense que je vais descendre. Oh, coucou. Là, je vais juste aller voir ce qu'il y a en haut. Ah ouais, c'est super grand, là. Ah non, ouais, c'est la suite, là. Non, non, c'est la suite. Mais je sais pas, parce que l'autre, on aurait dit navette. Et j'ai pas envie de la... Oh, c'était beau. Oh, c'était beau. Oh, le super jump que j'ai fait. C'était même pas nécessaire. Enfin, c'était même pas volontaire. Ah, je sais pas ce que c'est, cette navette. Ça se trouve, en fait, c'est l'arc. Il faut que je prenne une sauvegarde. Bon, allez, on va descendre. Putain, il y a encore un étage. Ah non, non, ça va, c'est fermé. Il y a encore là, l'autre. Je crois, ouais, parce que j'ai des glitches. C'est quoi? Attendez, je vais essayer de voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est des baromètres, je sais pas ce que c'est. Enfin, BM. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, je suis. Oh, une casquette. Attendez, c'est pas la casquette de. De Clémentine dans The Walking Dead? Non, non, c'est pas ça. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Oh putain, référence! Enfin, ça pourrait être justifié dans le lore du jeu, parce que si je vois des références, par exemple, si le mec il a joué à The Walking Dead, il peut par exemple voir la casquette des Clémentine, puisque le personnage l'a marqué. Et donc on peut voir des genre, je sais pas moi, un DVD de machin. Coucou! Oh, you made it! This is much better. Let's see if we can't get this thing moving. Et là, non, c'est ça?
Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. D'accord. C'est là où j'étais tout à l'heure. Ok, pas de problème. There's monsters out there, like the ones we saw at Lambda. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. D'accord. It'll mess with your circuits. Oh shit. We need to get out of here. Je suis bien robot parce que ça foire mes circuits. Voilà, c'est bien. Something is stabilizing the ship. We need to let it know this is an emergency. Ok. A tout de suite. J'ai pas compris qu'il y avait le monstre en fait. Je pensais que c'était scripté. Putain. Qu'est-ce que je fais? C'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette connerie?